Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode 21 il me semble sur PC Building Simulator, le DLC IT Expansion. On s'était laissé la dernière fois avec plein de missions qu'on avait réalisées et là on continue au chapeau de roue les amis, c'est parti. Alors je faisais le point sur mes équipes ce matin et Ricky, l'un de nos community managers, m'a montré un peu d'overclocking auquel il s'adonne pendant son temps libre, mais son boîtier était ouvert lorsqu'il a lancé l'application de benchmark, sa carte graphique a vrombi et ça m'a fait peur. Je te parle des détails, mais on va dire que le pauvre Ricky a besoin d'une nouvelle carte graphique. Ah bah quand on sait pas faire de l'overclocking, on n'y teste pas. Même performance qu'avant. 11364. Ok. Bah on va essayer de taper du lourd. Oh bah ça va, niveau processeur ça va. On va essayer de taper du lourd au niveau de la carte graphique. Ça devrait pouvoir se faire. Avec un budget de 1600. On va aller taper du lourd. Voyons voir ça. Si évidemment la tablette accepte de coopérer, bien entendu. Alors. Ah, celle-là, elle a une VRAM 24. Ah, mais fréquence de la mémoire, elle a moins... Ah, celle-là, elle est mieux. Hein. Ah, on va prendre celle-là. Elle a moins de VRAM, mais elle est plus performante. Ok. Donc, toi, c'est fait. La seule personne qui nous manque maintenant est notre chanteuse principale, Vanita Synth. Elle travaille désormais au RH d'Iratech. Je lui ai envoyé un email à propos de la réunion du groupe, mais elle m'a dit qu'avant, elle devait préparer cet événement Mondo. Ok. Ok, l'application RH. La photo au concert. Ok. Bamboo HR. Alors, voyons voir. Aucune RAM. Ça tombe bien, j'en ai une. Donc, c'est une Adata Spectre. Ouais, mais attends. Attendez. Voilà. Bambou H. Giga, ouais, ça devrait suffire. Un i5, ouais. Ça devrait le faire. J'espère qu'il y a bien que ça. Hein. J'irai pas tester. Cette machine a juste besoin d'un refroidissement par eau. Et il veut du refroidissement rouge. Formater le disque. Ok. 680 ? C'est pas beaucoup ça. 680. Ben, c'est parti. Je pense qu'on est bon.
Vente commandée, on va pas voir si c'est autre chose. Et là. Bon, on va y aller directement comme ça. On pourra commander si besoin est. Oh, pas mal, ah oui, dans son studio en bleu et tout, ouais, j'aime beaucoup. Oulala, par contre, là, niveau poussière, ça le fait pas, là. Là, tu te laisses aller, hein. Lina, tu te laisses aller, ma cocotte, hein. Tu te laisses aller. Donc, capitaux, les mushots. Ok. Bon, ça a l'air d'être ok. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont se valider tout seul? Ça serait cool. Eh ben, aucun, bah ça c'était sûr. Je pense que Mushot, il doit plus demander, non? On va voir. Bon, prenons déjà Capitole. Capitole en minimal. Ah non, 8 gigas. VRAM 8. Un i5 6600K et un 2070 et Mushot. Ah non, Mushot, lui il est moins exigeant. Donc écoutez, on va se fier à Capitole et on va voir ce que ça donne. S'il n'y a que la carte graphique après à changer, ce sera pas tellement grave. Alors, il nous faut 8 gigas. Alors, déjà, la cliente, elle a quoi, 1750. Bon, ça va, 1750. Il y a moyen de faire un truc plutôt pas mal. Alors, elle a un i3 8100. C'est un Coffee Lake. Eh ben écoutez, Coffee Lake, on va filtrer. On va pas prendre trop cher non plus. On demande combien? 6600K? On n'a pas de 6600K, donc moi je vous propose celui-là. J'espère que ça va passer. Pour la carte graphique, on nous demande quoi? Une 2070. Et pour la mémoire, on nous demande 8 gigas. Par contre, attendez, je vois un truc. 2133, bon, ça va. On est à combien? Ouais, on est large. Je crois que c'est tout, hein. Faire des allers-retours, hein. Non, on repart chez la cliente parce que si jamais c'est pas bon, faut pouvoir y retourner pour acheter. Donc on va éviter les allers-retours, les amis. Ça, les allers-retours, ça va nous faire
perte du temps, un truc de fou. Alors, hop, hop, hop. Alors, le processeur. Boom. On peut remettre son refroidisseur qui est la carte graphique. Ah, la longueur, par contre, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'espère que je vais pouvoir la mettre. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Mince. Ah là, Houston, nous avons un problème pour l'autre commande et j'espère qu'on pourra la mettre. Ça, c'est moins sûr. Yes! Cool. Bon, bah, ici, au moins, on n'a pas foiré. C'est déjà ça. On est bien. Du coup, toi. Ah, il y a l'imprimante aussi. La poussière, c'est fait. Ok. Est-ce qu'il y a une imprimante dans le coin? Oui, là. Ok, on va y aller par étapes. Bah, alors? Je suis censé faire quoi? Ah, c'est bon! Non, je cherche pas à comprendre. Je cherche pas à comprendre. Nickel. Ensuite, toi. Ah oui, le refroidissement à eau. Ah oui, on va. Tac. Boum. Ok. Nickel, Michel. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Ah, il y a l'histoire de reformater aussi. Bon, ça, ça faudra pas oublier. Alors, water cooling personnalisé. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Faut enlever ça. Si j'y arrive. Faut enlever le dessus? Non, faut juste enlever les fils. Ah, les fils, ils sont chiants. Pour y accéder. Alors, comment ça c'est que tu veux pas? Ah, mais parce que là, je suis dans installation, je suis bête. Pardon. Pardon, pardon, parce que j'étais dans installation. Voilà. Nous disions donc le radiateur. Le bloc processeur. Le réservoir. Les conduits. Donc, pompe, radiateur, radiateur, bloc processeur, pompe. Liquide de refroidissement, vous voulez du rouge. Rouge opaque, liquide, boum. Câble manquant, on va s'en occuper. Voilà. Et on peut remettre les pièces. Boum. Donc, il faut erase. Boum. Bien ça, hein. Mais bon.
Nickel. Toi, on s'en occupe plus. Boum. Ok. Donc toi, c'était quoi? Ah, et diagnostiqué et réparé, c'était la RAM. Donc la RAM, c'était celle-là. Hop. Et j'espère que c'était tout. Bon, au cas où, j'ai quand même installé. Si jamais il y a une tuile. Nickel. Nickel. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose à faire pour toi, ma chérie? Ah ouais, la photo du concert. Mince. Ça, je crois pas que c'est la photo du concert. Hein. Sélectionner le papier peint. Wallpaper. Wallpaper, wall qui veut dire mur et paper qui veut dire papier. Donc papier de mur, papier peint. C'est pour ça qu'on dit papier peint, sélectionneur de papier peint. Mais sur Windows, on appelle ça le wallpaper. Alors, Windows ou n'importe quel autre. Bon, ça va être celle-là, parce que généralement, c'est celle-là qu'on me demande. Ça m'a l'air d'être bon. Ok. Nouvelle carte graphique et benchmark. Oh, il y a l'air d'avoir assez de place quand même. Voilà. Bah, j'ai eu du... Franchement, les amis, faut dire ce qui est. J'avoue. J'ai eu du cul. Enfin, je pense, hein. Le petit verrou PCI. Le panel. Oh, par contre, ça, les branchements qui se mettent automatiquement et qui m'empêchent de remettre le panneau, c'est un peu chiant. On remet le panel. Et on appuie sur P. Ok. Alors, on a un benchmark à faire. Pour faire le benchmark, on va faire plusieurs choses. Déjà, on va mettre ça. Si on a besoin de tuner, on va essentiellement tuner la carte graphique. On va prendre l'OCCT. Et je pense qu'on est bon. Alors, est-ce qu'on peut me dire la valeur exacte? 11364. Faut retenir ça. 11364. Ah, j'aurais dû prendre aussi le truc qui enlève les fichiers temporaires, mais bon. Alors, est-ce que je peux déjà... Ah, petit... Désolé. Est-ce que je peux savoir... Petit benchmark de base. Pour l'instant, est-ce qu'on a d'autres choses à voir? On va vérifier s'il ne manque pas d'autres choses. Ce serait tellement cool qu'on n'ait pas besoin de faire de l'overclocking. Ça nous ferait gagner du temps parce qu'on est déjà à 19 minutes et il va falloir qu'on passe la première journée. On est quel jour là? Voyons voir. Ouah, non, généralement le mardi c'est calme aussi, donc on reçoit pas les commandes de l'oncle Tim, enfin les PC de l'oncle Tim. Généralement c'est le mercredi, donc ça va. Ça va. Je pense que la journée de demain ne va pas être extrêmement difficile.
pour l'arrêt de m'amuser. Oh pff. Bon. On est plus que large là. On est plus que large. Super. Nickel. Allez, on passe le jour. Boum. On voit qu'on a déjà deux tâches, trois tâches. Trois tâches. Alors, est-ce qu'il y a des doublons? Ça, on s'en fout. Vous mettez sur pause si vous voulez lire. Ça, je m'en fous. Ah, c'est le top secret, là. Ouais, je me rappelle de ça. Il faut que cette année atteigne un score de benchmark d'au moins 8000. Second disque dur. Identique. Donc un Mortoni 120 JB. Ok. Est-ce que je peux accéder au PC pour voir déjà combien il a? Donc faut tenir 8000. Boum. Alors on va faire plusieurs tâches les amis. Alors, on va installer le 3D Mark. On va faire plusieurs choses en même temps pour économiser notre temps, parce que sinon, les amis, on va jamais y arriver. Donc, il va falloir installer aussi le tuner, au cas où. Bien dit, au cas où. Et le CCT. Bon, l'antivirus, on va pas le mettre. Je pense que c'est un peu inutile. Combien on a de budget? 630! Ah ouais, on n'est pas dans... On n'est pas dans le luxe, hein, donc il va falloir faire avec ce qu'on a, les amis. Bah du coup c'est parti. Et pendant qu'il fait ça, on va aller voir ailleurs. Ok. Erreur de processeur. Oh mon dieu. D'accord. Ok. Bon, déjà, on peut remplacer le processeur. Ça, c'est une chose. C'est un 8700K. Bon, 8700K, c'est quand même pas mal, hein. Donc là, là-dessus, on va lui mettre une RAM en plus. Une GameX D10 8Go 2400. D10 8Go 2400. Après, pour le reste, on verra. On se déplacera. Ok. On voit là-bas qu'on est à 4000, donc il y aura du boulot à faire. Unifi 3D, 4D aussi. Oh là là, 5 lumières roses bonbons et des câbles bleus. Bon, bleu, je sais que j'ai, hein, au bout d'un moment. Bon, attendez, allons-y par étapes. Ah bah là, clairement, c'est la carte graphique. Donc, on va se prendre une carte graphique à 630 maximum. Carte graphique. Par ordre croissant, c'est bon. Donc, 630. Six cent trente.
ça c'est les mêmes. Celle-là m'a l'air mieux. Donc on va prendre celle-là. Voilà. Du coup, excusez-moi, revenons à l'autre. Unifique D. Accéder au PC. Quand je vous dis qu'il faut faire plusieurs choses en même temps. Mais y a rien. Ah, il y a juste le boîtier. Ah, ça change tout. Et là, un budget de 2000. Unifique 4D. Et il le veut en quoi? En recommandé? Bon, il a pas dit en quoi, donc bon. Il a pas dit en quelle configuration très clairement. Par contre, on va essayer de mettre du RGB. Unifi. Ok. Donc, pour la RAM, on a besoin de 8 Go. Alors moi, je vais arnaquer l'histoire. Parce que du coup, du 8 Go, je vais en mettre 2 de 4 plutôt. Regardez, comme ça, on va économiser. On va économiser des trucs. Ah, bah ça tombe bien, j'en ai 2. Ah, ça tombe bien, j'en ai 2. Et bah c'est parti. Alors, allez, j'en ai 2 et ils sont RVB. Cool. Donc, on va. Est-ce qu'ils sont en. Attendez, hein, on vérifie. Est-ce qu'ils sont. Non, ils sont pas en utilisé, donc ça va. Bon, la RAM, du coup, c'est bon. Ensuite, juste, je les ai payés combien? Donc, on va dire 100. Donc, il faut que je retienne que j'ai plus que 1900. J'ai déjà la boîte. Il faut en VRAM 6. Donc, carte graphique. En VRAM, on veut du 6. Et tu mets par ordre de croissant. Bon, allez, on va se taper un petit. Voilà, un petit Nvidia parce qu'on les aime. Le stockage, on va mettre 1 Tera. Au niveau de la lime, on va mettre une 700, ce sera largement suffisant. Il faut du 7400. Alors, 7400. Ok, donc c'est du Kaby Lake. Donc on part sur du. Allez! Kaby Lake. Et on va partir sur une. Z. Tiens. Boum. Voilà. Et enfin, le refroidisseur. On en est à combien là? Juste, est-ce que j'ai moyen de voir combien on est? On commence à partir d'ici. 300, 400, 480, on va dire 600, 900. Bon, on est large. Donc, pour le refroidissement. On va partir sur un qui a un bon débit quand même. Alors, on va partir sur celui-là. Normalement, ça l'a bien mis. Ok. Est-ce que j'ai tout? Le CPU, oui. Le refroidisseur, oui. Carte mère, oui. La mémoire, oui. Ah, je ne sais pas si le Nvidia, il est. Pas grave, on peut mettre des éclairages. Je crois qu'il a dit qu'il en voulait 4. C'est ça, hein. Attendez. 4 ou 5. Ouais, si on peut mettre 5. Bah au pire on mettra des ventilos. Est-ce que j'ai assez de ventilos? Boutique. Ventilo de boîtier. Éclairage. RVB. J'en ai 4. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. Ok. Donc toi c'est bon.
Câble bleu, j'ai. On passe à toi. Poudre de craie, donc il va falloir réparer, enfin dépoussiérer. Réseau. Juste ça? Bah attendez, on va le faire tout de suite. Ça, on verra, c'est à rien d'autre. Ok. P. Faut qu'on lui vérifie le réseau, c'est ça? Je suis bien sûr. Ouais. Donc on va vérifier son réseau. Link. Et pendant qu'il m'installe ça, je vais remettre les panels. Boum. Le panneau de protection. On redémarre, s'il te plaît. Je remets ça. Je referme ça. C'est rapidité et efficacité. Ah, pendant ce temps, je pense qu'on peut aller acheter le reste. Du coup, hop. Allez. Livrer le jour même. Là, on va ici. Boum. La connexion est établie. On va te remettre avec les autres. Boum. Ah mais attendez. Ah j'aurais pas dû acheter. Bah, on va y aller. Désolé. J'ai fait une bourde. C'est pas grave, c'est pas grave. Processeur introuvable. Je fixe, c'est bien le même. Hein. Ah, l'autre, c'est le Dazzle. Ça n'a rien à voir. Ah oui, il y a déjà une clé USB, vu qu'on a déjà traité. Et c'est quoi? C'est Unified. Évidemment. Donc Unify en recommandé. Quoi, c'est juste le stockage? Je me dis pas que... Attendez, elle le demande en recommandé, c'est ça, hein. Ah oui, aussi Flipside aussi. Ouais, recommandé. Donc c'est juste le stockage, hein, sérieux? Et j'ai rien au niveau stockage, moi? Je veux pas la dépanner? Ah non, ça c'est pour une autre mission, ça. Ah non, ça c'est pour une autre mission. Bon bah, écoutez. On va se taper l'aller-retour, hein. Boum. Alors,
Du coup, toi, tu t'éteins. Hop. Ça se met où son histoire? Ah, c'est là. Pas que je me trompe. Voilà. Stockage. Ça, je te dis. Ah, mais non! Attendez. Non, non, c'est pas elle. J'ai eu peur. Non, ça c'est pour autre chose. Parce qu'il y a un autre client qui dit si tu peux me rajouter l'espace de stockage, mais en mieux. Ah, mais du coup, je dois réinstaller Unify maintenant, vu que j'ai changé de... Ah. Au cas où je vais aussi remettre ça. Il y a aussi slide de je sais pas quoi. Eh ben dis donc, bon, on va y arriver les amis, on va y arriver. Peut-être en moins de 40 minutes, peut-être. Donc c'est Unify. Et c'est quoi son autre truc? Flipside. Voilà. Bien ça, c'est Flipside. Flipside. Nickel. Est-ce qu'il est bien recommandé? Je vérifie, on sait jamais. Hein, parce que les erreurs... Ouais, c'est bon. Ok. Donc, rien besoin de faire. On peut retourner là-bas. Nickel. Aider au lancement du prochain jeu avec succès, Yoga Simulator. Ok. Ah ouais, lui, c'est lui qui a besoin de... Bah attendez, on va le faire en dernier. Toi. Ouais, toi, c'était la carte graphique qui posait problème. On va changer la carte graphique. Boum. Et du coup, je pense que c'est toi. Ah non, pas que. Oh, je sais plus. Je sais plus. Bon, on va essayer avec le... Parce que l'autre, il a un budget de 2000. Hein. Attendez, qu'on vérifie bien. L'autre, il a un budget de 2000. Oui, c'était la Founder qu'on a pris. Et là, tu vas me dire, les deux sont Founder. Ah non, c'est la Founder qu'on a pris. C'est celle-là qu'on a pris pour lui. Voilà. Boum. Est-ce qu'il y avait que ça pour lui, le benchmark? Ah, identique, oui, c'est vrai. Ah, attendez. Hop. Voilà, c'est lui qui veut à l'identique, du coup. Voilà. Désolé, on y arrive. Alors maintenant, je pense qu'on va le laisser tourner tranquillement. Et on va s'occuper de l'autre. Donc, du coup, toi. La... C'est une EATX, j'ai pas fait gaffe. Et voilà. Et voilà. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de bourre, les amis. C'est quoi que j'ai, moi? C'est une... Kaby Lake, non? Ah, j'aurais dû vérifier le facteur de forme. My bad. C'est une... Kaby Lake, oui, effectivement. On perd un peu d'argent, mais c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Socket. Kaby Lake. Facteur de forme. Eh ben, écoutez, on va partir sur celle-là, et puis voilà. Pour faire chier, hop. Allez, on est reparti, les amis. Ouais, l'autre, c'est une EATX. Une EATX, c'est vraiment très très grand, une EATX. Donc là, effectivement, c'est trop petit. Effectivement. Effectivement, effectivement. Je crois qu'il fallait changer ses éclairages, donc on va enlever ça, comme ça c'est fait. On va relever ça.
Rassurez-vous, je n'oublie pas. Je n'oublie pas l'autre PC. Comment ça se fait qu'il y en a qui sont déjà utilisés? Attendez, quoi? Comment ça? Il est encore pire? Sérieux? Avec 680? Et lui, il a quoi comme exigence? J'ai fait un test. Je fais un test, les amis. M'excuserez, je fais un test. Celui-là. On va le mettre là. Pour la RAM, on va mettre 2. Parce que l'autre, il a un gros budget, donc on s'en fout un peu. Je fais un petit test, les amis. Techniquement, vu que l'autre carte graphique coûte plus cher, il est beaucoup plus performant, donc ça devrait faire. La lime. On fait un test, hein. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Ouais, je vois ce qui manque. Ensuite, ventilateur RGB. Ah, on peut pas. Ok, ça c'est pas cool par contre. Bon bah écoutez, hop. Ah ouais, là c'est... Ils sont fait zizir là. Ils se font zizir. Bon là on s'en fout l'esthétique, c'est juste parce que j'essaie d'aller vite les amis. Donc on va prendre ces deux là. Ok. Câble manquant. Voilà. My God. P. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, normalement, c'est bon au niveau du RGB. Hop. Attendez, il faut d'abord le filtre anti-poussière. Ensuite, il faut le panel. Le panel sup. Il faut lancer. On va lancer ça au cas où. Et on va installer Unify. J'espère qu'en fait, c'était juste que j'avais pas installé la bonne carte graphique par rapport à ce que j'ai pris. Parce que sinon, je vais pleurer. Parce qu'on a essayé d'en prendre un quand même de bonne valeur. Hein. Ah, alors ça marche avec le plus petit. Alors attendez, je ne touche à rien. Troisième arc. Est-ce que t'avais d'autres trucs, toi? Oui, les loupiottes. Donc, les loupiottes. Il veut du rose bonbon. Bah, désolé, hein, cet épisode va être encore plus long. Enfin, va être long au final, mais bon. On a beaucoup d'imprévus. Alors, éclairage. Tu sélectionnes tout. Alors, c'est quoi ces valeurs? 255, 105, 180. Donc,
255, 105, 180. Ouais, c'est ça. On est bon. Ouais, mais là, je retire, je devrais pas. Donc là, on avait fait, il me semble, 3700 avec l'autre carte graphique. C'est ça le délire. Donc là, on est censé faire mieux, j'imagine. C'est mieux. On va essayer de tuner à fond. On va essayer de le mettre déjà à 2030 en mettant à 111%. Appliquer au CCT, on lance. Pour l'instant, ça a l'air potable. Ok. Bon, on va pouvoir remettre l'autre PC, étant donné que l'autre il a de meilleures performances et que malgré ça il arrive pas à 8000, donc celui-là on va pas s'en débarrasser. Est-ce qu'on va faire moins de 50 minutes? Telle est la question. Ah oui, j'ai oublié les câbles bleus, oui c'est vrai. Désolé, ça m'a perturbé son histoire de... Oui, bon. J'étais un peu perturbé par son histoire de 3D Mark là. Vous m'en voudrez pas, hein? C'est un épisode fail, hein, maintenant, on n'est plus à ça près. Mais là... Pour que j'arrive à 8000, ça va être chaud. Parce que l'autre, il a pas un budget mirabolesque hein, quand même. Hein. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que le processeur, il est... Le processeur, il est à ras des pâquerettes. Il est à 7000 et quelques. On peut aussi booster peut-être le processeur. Mais pas beaucoup. Bah si, c'est bon. Ah ouais, quand même, hein. Waouh. Ah ouais, on a bien boosté, en fait, hein. Waouh. Eh ben, j'ai rien dit. Je suis un génie. Par contre, je ne sais pas ce que ça va être au niveau du prix, là. Hein. Le second disque dur, ça a été fait. Ok, normalement, c'est bon, j'ai tout fait. On va voir son petit commentaire. Yes! Oh, eh ben finalement, c'est pas un fail, les amis. C'est pas un fail. Voilà. Ok, cool. Et on passe au niveau 14. Eh bien, écoutez, les amis. On va se laisser là pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve dans 2 jours pour la suite de notre aventure sur PC Building Simulator. Des bisous à tous, ciao ciao!